Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine qui annonce officiellement la fin des vacances, la fin du mois d'août. J'espère que vous avez tous fait le plein d'énergie, de vitamines, de soleil. Enfin, de soleil, c'est un bien grand mot parce que on peut pas dire qu'on a vraiment souffert du soleil et de la chaleur durant cet été, hein. Bon, personnellement, c'est pas pour m'en déplaire. Vous connaissez mon amour pour la chaleur. Mais voilà, bon, blague à part, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous êtes prêts et d'attaque à reprendre la rentrée. Moi j'ai plein de choses, j'ai prévu plein de choses pour vous, pour la chaîne, pour ce mois de septembre. J'ai vraiment prévu de faire plein de choses et de faire une rentrée en grande pompe. Et puis voilà. Alors je vous demanderai quand même d'être tolérant dans le sens où vous savez que je suis en train de déménager, que le mois de septembre c'est le dernier mois pour finir les cartons et tout. Et comme vous le voyez derrière moi avec le décor du cabinet, j'ai vachement bien avancé dans les cartons. Hein, on a l'impression que j'ai strictement rien fait. Hein. C'est pas comme si je déménageais dans un mois. Donc autant vous dire que y a vraiment beaucoup de boulot. On a déjà attaqué, mais il y a encore beaucoup, beaucoup. Oh là, je vous jure, ça me déprime quand je vois. Plus on fait des cartons, plus j'ai l'impression qu'il y en a, y en a encore à faire. C'est, je sais pas. C'est comme les rats, ça se reproduit. C'est voilà. Bon, allez, on va y aller tout de suite. Bon, aujourd'hui sera cartomancie, j'ai pas envie de me casser la nénette. On va utiliser le Jorak pour faire les énergies principales. On utilisera la petite rune pour marquer le début de la semaine. On utilisera le rond de cristal pour les prédictions de fin de semaine. Et on se fera une guidance avec les photos karmiques. Voilà, en plus cette semaine, normalement je devrais vous faire une autre review puisque je devrais recevoir le prototype de l'oracle de la Burle. Alors préparez-vous à une vidéo particulière parce que l'oracle de la Burle, vous savez, ce sont les photos du mésin que j'ai réalisé, que j'ai fait en oracle. Ça aussi c'était un projet que j'avais en cœur depuis déjà pas mal de temps, mais il me manquait 2-3 photos pour le peaufiner. Donc je vous ferai une vidéo review, mais qui sera pas vraiment une review puisqu'en fait je vais vous faire partir à la découverte de chaque lieu, c'est-à-dire chaque carte représente une photo et du coup je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y a derrière la photo, etc., etc. Donc ce sera une review un petit peu particulière. Bon allez, j'arrête de parler et on y va tout de suite. On commence avec les runes. J'ai pris les runes versatiles. Allez, je vais les retourner. Je sais pas pourquoi je ferme les yeux, c'est un tic que j'ai de toujours fermer les yeux. Allez, et ça sera la rune de Algiz qui nous parle d'une voie choisie positive. En plus, elle est dans le bon sens puisque dans son sens inversé, elle est un petit peu plus négative. Donc là, on nous parle d'une voie choisie positive. Autrement dit, les amis, pour ce début de semaine, ça pourrait être marqué peut-être par soi. Alors, soit ça peut être une réponse que vous attendiez, quelque chose, mais vraiment que vous attendiez depuis un petit moment et qui vous permettrait d'être conforté et d'être rassuré sur le choix que vous avez pris, sur la voie sur laquelle vous vous êtes lancé. Peut-être que vous allez démarrer un nouveau travail, peut-être que pour ce mois de septembre, eh bien, vous allez démarrer une formation, reprendre des cours ou que sais-je, et vous étiez un peu dans le doute en vous disant est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que je fais bien, etc., etc. Eh bien, pour moi, la réponse est oui, vous pourriez avoir une réponse afin de vous confirmer que le choix que vous avez pris et ce que vous êtes en train de démarrer est quelque chose de positif. Ou sinon, ça pourrait aussi annoncer peut-être déjà certains fruits que vous pourriez récolter. En plus, on est dans les énergies, hein, puisque Mabon arrive là dans 3 semaines maintenant, un peu plus de 3 semaines.
Donc peut-être que ça peut nous parler aussi de récolte pour vous faire comprendre que la voie que vous avez choisie, peut-être que vous avez chamboulé pas mal de choses pour cette année 2021, vous avez peut-être démarré un nouveau travail, etc., etc. Vous n'étiez pas très sûr de vous lorsque vous aviez démarré, et là vous pourriez avoir encore une fois pas des réponses, mais plutôt des confirmations pour vous dire que ce que vous avez choisi et ce que vous avez commencé, vous n'avez pas à le regretter, puisque voilà, vous allez avoir des choses qui seront positives par rapport à ça. Allez, on y va avec le oracle, on va voir un petit peu les énergies principales pour cette semaine, enfin le début de cette semaine. Allez, c'est parti, hop, on va couper. Pourquoi je ferme encore les yeux, moi? Pas besoin de fermer les yeux. Nous avons l'illusion. Attention, alors cette carte en plus fait flic, fait un petit peu flic qu'elle sorte dès le début, puisque la carte de l'illusion, elle indique que toutes les autres cartes derrière, peut-être que c'est la vérité, peut-être que ça ne l'est pas. Donc il va falloir faire attention pour ce début de semaine sur le fait que ce qu'on va vous dire, peut-être que ça sera la vérité, peut-être que ça sera pas la vérité. Ce que vous allez vivre, peut-être que vous allez croire réellement le vivre, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, oui, à partir de demain, vous rentrez dans la matrice, voilà. Non mais blague à part, là, pour moi, ça me fait vraiment penser plutôt à de la vigilance et au fait de faire attention sur ce qu'on pourrait vous dire, sur ce que vous pourriez faire, sur ce que vous pourriez croire, voir, parce qu'il y a des fois on est témoin de quelque chose et on est sûr de l'avoir vu, parce que c'est sûr et certain, on n'a pas pu se tromper. Mais si, des fois ça peut être un peu tendancieux, hein, si vous arrivez, je sais pas, au mauvais endroit, au mauvais moment, et que vous êtes témoin d'une scène qui pour vous, c'est sûr que c'est la vérité. Attendez avant de dire quoi que ce soit, parce que ce que vous avez vu, c'est peut-être que la fin de l'histoire, ou alors c'est que le début de l'histoire, ou c'est qu'un morceau. Du coup, il vous manque plein d'éléments, et avant de porter un jugement ou d'émettre un avis ou quoi que ce soit, faites attention, d'accord? Nous avons ensuite la rupture. Alors la rupture ici ne parle pas forcément de rupture amoureuse, ça pourrait nous parler de la fin de quelque chose, de la fin d'un contrat. En plus, ça colle assez bien puisque je venais de vous dire que la voie choisie était positive. Donc peut-être que à partir de cette semaine marque la fin officielle. Effectivement, si vous êtes dans une transition d'un nouveau travail et que vous avez terminé la semaine dernière, vous êtes encore, on va dire, dans un présent actuel qui pourrait vous faire douter en vous disant: est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait de rompre? J'avais quelque chose qui était un peu sûr. Là, je me lance dans une nouvelle aventure et je suis pas certain que ça va fonctionner, etc., etc. Donc voilà, là ça peut marquer soit la fin officielle de quelque chose, ça peut aussi marquer, pourquoi pas, pour ceux qui attendent des réponses, oui, divorce, peut-être un papier de divorce, peut-être une rupture amiable aussi, ça peut être une rupture de tout ordre, hein, une rupture amicale, une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, ça peut aussi, bien que, alors je vais être honnête avec vous, avec la carte de l'illusion, je le ressens pas comme rupture, mais je le vois plutôt comme une sorte de break. Parce que c'est vrai qu'après tout, l'illusion, elle fait croire à quelque chose qui n'est pas la réalité. Et quand on fait un break dans quelque chose, quand on prend une pause, que ce soit avec des personnes ou avec quelque chose, ça donne l'illusion que la chose est terminée, alors que nini, ce n'est pas terminé, d'accord? Donc ne vous fiez encore une fois pas à ce que vous voirez, à ce que vous verrez, à ce que vous vivrez, à ce que vous pourrez entendre, etc., parce que ça ne pourrait ne pas être la réalité. Et de plus, je tiens aussi à vous rappeler quelque chose, c'est que nous avons la carte de l'illusion, donc la carte de la rupture, elle annonce peut-être quelque chose de vrai, peut-être quelque chose de faux. Encore une fois, attention, d'accord? Et enfin, pour la dernière, nous avons la carte du destrier qui nous apporte des nouvelles ici. Vous savez bien, le destrier ici, c'est le symbole du facteur, de celui qui apporte les nouvelles, hein, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, peu importe, mais il apporte les nouvelles. C'est aussi le symbole de la liberté. Il est probable, là encore une fois, si on parle de la fin de quelque chose, peut-être que cette chose est quelque chose... Je dis beaucoup de choses, hein... Très répétitif le mot chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme synonyme de chose? J'en ai pas qui me viennent tout de suite.
Oui, donc je vous disais, si effectivement vous arrivez à la fin de quelque chose ou si ce début de semaine se marque par la fin de quelque chose ou la semaine dernière a déjà été marquée par la fin de quelque chose, oui, c'est la fin des vacances entre autres, il se peut que ce soit pour quelque chose de plus positif dans le sens où vous êtes enfin libre, où vous êtes enfin débarrassé de ce poids. Hein. Il est possible ici que si on parle, ça se peut, si on parle ici d'une rupture amoureuse, si cette rupture amoureuse vous apportait plus de soucis ou de choses négatives et qu'elle se termine, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où vous êtes de nouveau libre de pouvoir explorer, partir à l'aventure et aller vers de nouveaux horizons, tout simplement. C'est valable aussi dans un terme professionnel, etc. Donc pour moi, je le vois pas forcément comme quelque chose de négatif, cette rupture. Je vois plutôt la fin de quelque chose qui est plutôt emmerdant en fait, et par conséquent qui vous libérerait vraiment, comme si c'était un poids en moins, un fardeau en moins, quelque chose voilà qui était pénible, et maintenant que vous en êtes entre guillemets débarrassé, ou que le cycle s'est terminé, ou que la situation c'est fini, que c'est réglé, vous êtes beaucoup plus tranquille pour pouvoir maintenant de nouveau démarrer quelque chose de nouveau à nouveau. Je viens de dire trois fois nouveau, ça va pas du tout. Alors aujourd'hui c'est la vidéo des pléonasmes redondants. On va faire un peu de culture. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des photos karmiques. J'ai laissé les chakras dedans, comme ça si on a un chakra qui sort, eh bien peut-être que ça nous donnera un indice sur le fait que il faudra travailler plus un chakra sur ce début de semaine ou cette semaine ou en ce moment, en règle générale. Allez, c'est parti, on va s'en prendre deux. Tiens, on va s'en prendre deux. Hop. Et nous avons, tu dois faire un choix et ne plus réfléchir. Et nous avons la carte du carrefour. Et effectivement, mais j'ai envie de dire tout colle à nouveau, parce que c'est vrai que si vous êtes à la fin d'un cycle ou au début de quelque chose, vous allez être amené à faire des choix. Mais là, en même temps, c'est plus vraiment le moment des choix, puisque la situation est déjà mise en place. Donc maintenant, on vous demande plus de prendre le temps, de réfléchir, de non, maintenant il va falloir être dans l'action et agir là tout de suite, dans l'immédiat et dans le présent. Comme si vous n'aviez entre guillemets plus le temps, voilà, c'est plus le moment. Vous aviez le temps, vous aviez un temps qui était consacré pour réfléchir, pour peser le pour, le contre, etc. Maintenant ça c'est fini, vous n'avez plus le temps. Vous êtes à ce carrefour, vous êtes un petit peu pressé aussi, donc il faut vous décider, vous allez devoir agir, vous allez devoir prendre des décisions impérativement. Et l'autre carte nous dit ne lutte pas et accepte le destin tel qu'il est. Une carte qui peut faire un petit peu peur avec la carte de la tornade. Et effectivement, une tornade, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on ne maîtrise absolument pas. C'est un phénomène qui est violent, qui peut se matérialiser à tout moment et qui, eh ben, en fait un petit peu à sa tête, hein. C'est-à-dire que une tornade peut détruire littéralement une maison comme elle peut épargner la maison du voisin. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin, ça devait se faire ainsi, et puis voilà. Et bien là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que ce que vous allez vivre pour ce début de semaine, ne cherchez pas à lutter, parce que c'est vraiment se battre contre des moulins à vent comme Don Quichotte. Donc ne perdez pas de l'énergie à vous battre contre quelque chose, de toute façon, que vous ne maîtriserez jamais. Au contraire, acceptez les choses telles qu'elles se présentent à vous, même s'il y a des choses qui peuvent vous sembler injustes ou autres, ou menaçantes même, hein, parce que ici, la tornade peut aussi faire référence à certains dangers, des dangers potentiels qui peuvent être sur une route comme sur une autre, hein, donc attention. En gros, là, j'ai envie de vous dire, là, vous êtes dans l'action, il va falloir prendre des décisions, et sur une des deux routes, eh bien, dans tous les cas, vous rencontrerez votre destin, et selon la route que vous prendrez, le destin se présentera à vous. Mais n'oubliez quand même pas la rune du départ qui nous parlait d'une voie choisie positive. C'est quand même assez drôle, puisque fait exprès, on a le carrefour ici, et donc on est sur ce principe de voie. La carte de la tornade ici serait plus du coup comme un événement indomptable, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que lorsque le destin vous conduit à faire quelque chose, lorsque ça doit se faire, ça se fera, peu importe, vous ne pourrez pas lutter, hein, vous savez que je crois pas tout à fait aux coïncidences ni au hasard, que chaque chose est plus ou moins voulue, et donc ce que vous vivrez là dans les jours prochains, ne cherchez pas à le comprendre, ne cherchez pas à le combattre, ça devait se réaliser ainsi, voilà, tout simplement. Allez, on va terminer avec une petite prédiction. Je suis vraiment un empoté des mains, moi, je vous jure. Je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo que j'ai faite
sur les énergies du jour. À chaque fois que je manipule les cartes, il y en a toujours plein qui partent. Il n'y a pas une seule vidéo que j'arriverai à faire où j'échappe pas les cartes. Ah bah tiens, on a un gros coup de chance qui se présente les amis. Ouh là là, alors attendez, dès que j'ai fini ma vidéo, je vais vous laisser. Cédric a acheté un cash, il est convaincu qu'on va gagner, donc je vais vite aller gratter le cash parce que là, on nous prévoit ici un gros coup de chance. Donc préparez-vous pour ce début de semaine les amis à bénéficier ou recevoir un gros coup de chance, ou alors que la chance se manifeste à vous dans une voie particulière. Peut-être que la fameuse voie choisie positive, ça va peut-être être un événement ou un élément qui va se manifester à vous, qui va se présenter comme une tornade, hein, quelque chose qui était complètement imprévisible, que vous n'aviez pas prévu dans vos plans et qui pourrait venir un petit peu chambouler vos plans, dans le sens où vous aviez déjà pris votre décision, mais il y a un événement qui va faire que, eh ben, si vous prenez cette voie, on va vous faire comprendre que c'est pas la bonne voie justement, et qu'il vaut mieux prendre l'autre, et que vous avez encore le temps, puisque vous êtes pile au carrefour, vous avez encore le temps de bifurquer pour prendre l'autre voie, et c'est cette voilà qui sera positive. Et du coup, ça colle super bien avec tout ce que je vous ai dit, hein. Rappelez-vous la carte de l'illusion qui vous mettait en vigilance, de vous dire fais attention. Donc peut-être que la décision que vous avez prise là à l'heure actuelle, elle est peut-être pas la bonne. Et peut-être qu'il faut vite faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard, voyez. Donc ici, peut-être que c'est une sorte de... pas de réflexion à faire, mais plutôt que de vous faire ouvrir les yeux sur ravise-toi avant de confirmer ton choix. Voilà, prends le temps de la réflexion rapidement. On nous parle d'un mensonge caché, et oui les amis, c'est logique avec la carte de l'illusion ici, le mensonge caché. Et je vous l'ai dit, de prêter attention justement à ce que vous pensez voir, à ce qu'on va vous dire, à ce que vous croyez croire, hein, vraiment soyez vigilants, puisqu'ici on nous parle de mensonges cachés. Donc qui dit mensonge caché nous parle aussi de révélation aussi. Et enfin, la dernière, ouais, j'ai envie d'en prendre trois. Et nous avons une belle réussite assurée. Bon, ben les amis, quand même, on a quelque chose qui est super positif. Franchement, pour cette première semaine de septembre, enfin, pas tout à fait, puisqu'on est encore sur fin août, mais pour cette rentrée, on a quand même un message qui est relativement positif. On nous annonce quand même des énergies qui sont relativement positives. Et ça coïncide quand même bien, ça colle bien, parce que rappelez-vous, je vous l'ai dit sur la guidance pour la fin de la semaine, qu'on était sur des énergies positives et que ça se sentait qu'il y avait un regain, qu'il y avait un petit... Alors ça démarre doucement, mais on sent qu'il y a un regain de positif qui revient. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est confirmé. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance de début de semaine. Mais je suis allé super vite là, la vidéo elle fait quoi? Elle fait 15 minutes. J'ai été très productif aujourd'hui. Allez sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous. Commencez très bien ce début de semaine et on se retrouve dans la semaine pour de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.